d'après une histoire vraie. Oui, ça va bien avec. 3 mois plus tôt. Et le noir vous va si bien. Oh, merci. Il vous la faut. Oui, absolument. Suzy, voulez-vous faire un paquet pour Madame Lannée, s'il vous plaît? À mettre sur son crédit. Oui, tout de suite. C'est sûr que Martin ne comptera pas les intérêts. À ces prix-là, Martin serait indélicat s'il comptait les intérêts. C'est vrai. Oh, Karen, téléphone. Oh, je suis désolée. Je vous en prie. Excusez-moi. Merci. Oui, c'est Karen Cardell. Ça doit être une erreur, j'ai sûrement pas fait un tel dépassement. Donnez-moi le numéro, je peux vous joindre. Oui, oui, bien sûr. Il avait un ton officiel écœurant. Ma carte de crédit vient de m'être enlevée. Tu es trop dépensière. J'achète plus rien. Oh, bon, bah alors c'est Harry qui fait la pivoleuse. Donna, je trouve pas ça drôle. Je suis désolée, je disais ça comme ça. Oui, d'accord. À demain. Au revoir. Au revoir. À demain. Bonjour, ma puce. Bonjour, main. Ça va, toi? Bonjour, main. Benji ne fait pas de tâches ici. Ça dégouille. Je vais le surveiller. Bon, je vais chercher mes affaires. D'accord. Est-ce que le monde te sourit, Benji? Oui, je crois. Ça va, Jennifer? Ça va. Dans peu de temps, tu feras tes achats ici. Oui. Tu seras éblouissante comme ta maman. Tu le sais, ça? Ah, bonsoir. Ça va? J'aime l'heure des enfants. Dites, Karen, vous êtes là demain? Jeudi? Non, vous voulez me parler de quelque chose? Non, j'attendrai, ça ira. Entendu. Au revoir, les enfants. Au revoir. Allons-y. Attention, Benji, ça coule. Viens, ton oral. Oui, j'arrive. Salut, Jennifer. Allez, va aider ta mère. Tiens, tu prends ça. Tu viens, Benji? Alors, cette journée? Harry, c'est quoi ce peuple? Comment ça, c'est quoi ce peuple? Écoute, tu connais Kenny, non? Oui, il est un Tristar Realty. Oui, c'est ça. Mais qui sont tous les autres? Eh bien, ce sont des vendeurs de l'agence, quelques amis. En plein milieu de l'après-midi? Eh oui. Harry, j'ai des enfants et il y a une foule de choses à faire avant le dîner. Oh, arrête, chérie, c'est juste pour mon boulot. Et en plus, on se régale aux frais de la princesse. Tout sur la note de frais. Jennifer, tu me fais un jus d'orange, s'il te plaît? Oui, papa. Allez, viens avec nous plutôt. Mais viens. Regardez la télévision. Pas longtemps, Benji. J'ai envie d'être au calme avant le dîner. Être au calme ici? Allez, va. Salut, beauté, ça va? Bonjour. Ah, Kenny, ça va les affaires? Oh, ça peut aller. Aujourd'hui, c'est plutôt favorable. Kenny. Qu'est-ce que vous fêtez? T'es pas au courant? Bien sûr que tu sais rien, tu viens de rentrer. L'agence a fini par trouver un client pour le terrain de ton mari. Non, c'est vrai, tu sais. De quoi parles-tu? Du terrain à bâtir qu'il vient d'acheter dans le Nord. Un groupement financier le veut pour construire une grande surface de 40 millions de dollars, t'imagines? On peut pas lui en vouloir d'avoir envie de fêter ça. Non. Main. Viens, je vais te présenter les invités. Oui, une minute, Kenny. D'accord. Il y a la dame qui veut savoir si avec ça, elle peut faire une vodka orange. Non. Je voudrais que tu ailles avec ton frère. Va, m'a dit de l'aider. Jennifer, obéis. D'accord. Et fais tes devoirs avant le dîner. Alors, t'as appelé? Non, je vais pas tarder à me décider. Ah, t'as la pétage, on dirait, non? Tu peux arrêter de me prendre la tête. Oui, et pour le pognon, t'as peut-être une idée? Ouais, on est raide. Il vaudrait mieux téléphoner, Nancy. D'abord, on va boire une bière. Écoute, vaudrait mieux qu'on garde le fric pour téléphoner. Je le ferai en PCV. Oh, arrête, t'es à 1 km de la maison. Je vais me gêner, tiens, pour ce nul.
Je voulais pas t'embêter avec ça. Je savais ce que tu dirais. Laisse tomber ça, Harry, occupe-toi de tes maisons et arrête de bâtir des châteaux en Espagne. Tu as raison, c'est ce que j'aurais dit. Oui, mais maintenant, tu dois admettre que récolter 200 000 dollars avec une simple mise de 80, c'est pas vilain. 80? Et combien comptant? 38 et 90 jours pour payer. Le séquestre prendra fin cette semaine dès que l'offre sera officielle. Et tu vas les trouver où, ces 38 000? Je les ai empruntés. Non, tu ne les as pas empruntés, Harry. Les banques ne te font plus confiance. Et qu'est-ce qui t'a parlé de banque? Écoute, voyons, chérie, c'est un bon coup. On va enfin toucher le jackpot. Parle plus bas, s'il te plaît. Ça a l'air de t'intéresser. Pour une fois que je passe pas à côté du gros lot et qu'il est pour moi. Oh, arrête, là n'est pas la question, écoute. Chaque fois que j'essaye de réaliser quelque chose, tu as la même réaction. Tu sais combien de fois nous avons eu cette conversation? Je sais où tu as emprunté l'argent, en partie tout du moins. On a 12 000 dollars de découvert et notre carte de crédit a évidemment été annulée. Et alors, ils récupéreront leur argent avec les intérêts. Où as-tu emprunté le reste? Sur notre épargne. C'est la seule chose que nous avions au monde, Harry. Mais pas après cette affaire, je te promets. Tu vas répondre, Jennifer? Oui, papa. Calme-toi, Karen. Crois en moi et sois contente. Papa, c'est pour toi, quelqu'un qui appelle en PCV. Désolé. Oui, mademoiselle, j'accepte le PCV. Non, si, ça fait bien longtemps. Mais bien sûr, voyons. Tu viens quand tu veux. D'accord. Devine qui c'était? Nancy. Elle habitait dans le New Jersey. Elle vient nous voir. Quand? Oh, le temps d'arriver. Je lui ai dit qu'elle pourrait coucher dans le salon. Tu oublies le genre de fréquentation qu'elle a. Un ramassis de drogués. Je ne veux pas que les enfants soient mêlés à ça. Elle avait l'air d'aller. Qui plus est, c'est ma fille. Oh, je t'en prie, Karen. Fais-moi un sourire à lui. Tu ne veux pas fêter mon succès? Non, arrête, je ne suis pas d'humeur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? On se réserve pour quelqu'un d'autre? Oh, ça tourne à l'idée fixe. Bon, comme tu veux. C'est fini, les enfants, c'est l'heure. Allez, dodo. Oh, Nancy, c'est aussi ma sœur, maman. D'une certaine manière, oui. C'est une demi-sœur. Demi, c'est qui l'autre moitié? Idiot, ça veut dire qu'elle a une autre maman. Ah, Jennifer, n'insulte pas ton frère. D'accord, maman. C'est ça, la vie. Tu trouves? Si t'aimes la tôle. Arrête, la prison, je connais. Il n'y a aucun verrou ici. C'est que tu les vois pas. De toute façon, c'est ça, la liberté. Où est-ce que tu as eu ça? La dent du vieux. Est-ce que je peux vous aider? Ben, on aurait bien repris de la bière. Et alors, Spider-Man, ça roule? Je suis pas Spider-Man, je suis Batman. Oh, désolé, Batman. J'ai la vue qui baisse quand je sors des ténèbres. Bon, allez, ça va, sortez de la cuisine, tous les deux. Excusez-moi. Alors, Jason, elle vient, cette bière? Ben, ils ont plus que ça, du lait. Oh, ben, t'en fais une tête, maman. Nancy, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? À ton avis? Pas dans ma maison, je te l'interdis. C'est aussi la maison de mon vieux, je te signale. J'aimerais assez que tes amis s'en aillent, j'ai à te parler. T'inquiète,
Istir. Et moi aussi. Parle toute seule. Parfait. Allez, viens. Viens, on se tire, Jason. Chine. Jalouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Une décharge publique? Il y a un changement. Ils veulent en faire un endroit réservé aux déchets toxiques. Mais Kenny, ils en offrent à peine plus que ce que je dois pour l'option. Si j'étais toi, j'accepterais. L'étude géologique révèle plus de tourbe qu'autre chose. Mais je prends un bouillon de plus de 30 000 dollars. Avec tous tes autres projets, tu réussiras à t'en sortir. Oui, bien sûr. T'es pas à fond de cas, Larry. Jamais. Ça va comme tu veux? Tout à fait. Comme sur des roulettes. Harry, qu'est-ce que tu as? Mais rien, je viens de te dire que ça allait. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui te préoccupe. Je t'ai dit que non. N'en parlons plus. Où est Nancy? Elle est partie. Elle est partie où? Un de ses amis s'était installé dans le frigidaire. Quelle histoire pour un gosse qui vole des glaçons. Pas exactement un gosse, Harry. Un type sale, dégoûtant même. Il avait des cheveux teints en orange et quand je suis arrivée, il était en train de piquer du lait sans gêner, pendant que ta fille et les autres se shootaient dehors. Quand elle reviendra, je lui dirai deux mots. Elle ne reviendra pas. Comment ça, elle ne reviendra pas? J'ai dit à ses amis de s'en aller, ça lui a déplu, et elle a décidé de les suivre. J'ai dit parfait. C'est ma maison. Et c'est ma fille. Elle y reste aussi longtemps qu'elle veut. Ne refais jamais ça. Jamais. Parce que là, il t'arrivera des histoires. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Je sais quand tout s'est dégradé. J'aurais jamais dû te laisser travailler. C'est là qu'ont commencé les ennuis. Si seulement nos ennuis n'avaient commencé que là. Lâche-moi. Tu me fais mal. Ça va, je te lâche. C'est trop. J'appelle la police. Et cette fois, tu vas peut-être le regretter. T'es trop loin, Harry. Je veux que tu sortes d'ici. À l'instant, il est hors de question que je me fasse traiter comme ça. Le deuil, c'est terminé. Fini. Tu réalises ça? Ça va, maman? Je crois que oui, chérie. Quand les parents s'entendent plus, il n'y a personne qui les aide. Mais si, il y a des conseillers. Nous en avons vu un l'année dernière. Et ça ne nous a pas aidés. Je crois que j'ai une idée.
C'est moi qui parlerai, papa. Je crains que nos relations soient compromises dorénavant. Ça suffit avec la sauce. Goûte la viande, Benji. Je sais que c'est très difficile pour vous. Mais parfois, deux personnes se font du mal sans pouvoir se contrôler. On n'y peut rien, c'est ainsi. Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive avec votre papa, mais nous n'arrivons plus à nous entendre. Je pourrais encore le voir. Oh, bien sûr, mon chéri, tu le verras. Et si t'essayais encore une fois, maman? Jennifer, quand les adultes se comportent mal, c'est différent des enfants. C'est très sérieux. Sauf le lait, j'ai plus faim. On rentre. On va se coucher de bonne heure, d'accord? D'accord. Maman! Oh! Bon, restez ici et ne bougez pas. Faut appeler la police. Tu te rappelles de ce gars, Mac? Non. Eh si, voyons, il a une très jolie femme. Elle nous a appelés il y a 6 mois, on est venu, il était en train de saccager la maison. Ah ouais, Harry, le fort en gueule, il m'a boyé après comme un roquet. Il y a un carreau qui est cassé derrière, c'est par là qu'ils sont entrés. Qu'est-ce qu'il te dit qu'il était pas tout seul? Il, elle, eux, on sait rien, Jack. Qu'est-ce qu'on a volé? Juste le magnétoscope. Ah ouais, plutôt coléreux le voleur de vidéos. Peut-être qu'il a pas aimé votre collection de cassettes. Jack, tu vois pas que cette dame est embêtée? Ah, oh, excusez-moi. Oh, je suis désolé. C'est vrai, je fais toujours ça. Mais c'est parce que, vous savez, on en voit tellement qu'il faut essayer de prendre ça en se marrant si on veut tenir le coup dans ce boulot. Vous n'avez rien vu, vous ou les enfants? Non. Et votre mari non plus? Nous sommes séparés. Ah, bon. Je suis content que vous nous ayez contactés, ça veut dire qu'on a fait une bonne impression. Ça n'est pas la même situation, Mackenzie. Alors pourquoi vous avez insisté pour... Parce que soit... je vous connais, je crois. Écoutez, je me retrouve toute seule avec les enfants et une chose pareille, c'est... C'est effrayant. Oui. Peut-être que ça a un rapport direct avec la fille aînée d'Harry. C'est pas sûr. Seulement ça a l'air si... Personnel? Oui. On va noter ça noir sur blanc déjà. Nancy Cardell. J'ai une photo. Il y avait aussi un autre type, avec un air affreux, qui s'appelait Jason. Il était squelettique. Et il avait des cheveux orange. Ils étaient orange vif, on devrait pouvoir le repérer, non? Vous seriez surprise par le nombre d'individus qui ont les cheveux orange de nos jours. Madame Cardell, ne le prenez pas mal, mais votre cher époux... Est-ce que... Il n'y a aucune chance que... Enfin, c'était le genre violent, si je ne m'abuse. Le magnétoscope, c'est un cadeau que mon mari avait fait à ma fille. Il n'aurait pas justement été choisir ça. Et à dire vrai, je suis choquée de votre suggestion. Je me contente de vérifier toutes les données, si vous en avez d'autres. Oui, il y avait 3 autres jeunes et je ne sais pas leur nom. Ils étaient avec Jason et Nancy. Orange ou bleu, les cheveux? Ah, ou une autre couleur de l'arc-en-ciel. Ben quoi? Si t'avais vu le living room, Dana, tu ferais mieux de déménager. J'ai pas de quoi payer une maison et tu veux que j'en paye 2. Eh ben laisse celle-là à Harry et il paiera l'hypothèque pendant quelque temps. Il y a un meublé de 2 pièces dans ma résidence qui justement vient de se libérer. Il y a une très jolie piscine et des gardiens partout. Je pourrais en parler à Harry peut-être. Lui en parler, mais fais-le, Karen.
Je crois que je suis également responsable dans tout ça. Non, tu n'as pas à t'accuser devant un homme qui perd son contrôle de cette façon. Ça n'a pas toujours été comme ça, Donna. Il y a des choses à certains moments que j'aurais dû essayer de sauver. Je n'ai jamais eu la patience. Écoute, pendant 10 ans, ça allait. Ça ne se dégrade que depuis 2 ans. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu dois songer à tes enfants à présent. Si ça se trouve, ces deux flics ont peut-être raison. Ça pourrait être Harry. Je suis persuadée que non. Karen, tu devrais lire ou aller au cinéma. Et là, tu verrais comment un mari qu'on a évincé est capable de terroriser sa femme jusqu'à la faire crever de trouille. Vous ne pouvez être que Mackenzie et Jackson. Mackenzie et Jackson. Vous êtes très perspicace, comment avez-vous deviné? Oh, j'en sais rien. Ou alors c'est grâce à la description. Madame Cardell est là? Oui, je vais la chercher. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ça y est, on a coincé votre ami aux cheveux orange, il fourguait votre magnétoscope. Oui, mais votre belle-fille, elle était... Elle a repris l'avion en direction de New Jersey avec d'autres copains. Elle survolait le Missouri quand tout ça est arrivé. Qu'est-ce qui se passe alors? Vos ennuis sont terminés, Madame Cardell. Jason a failli à sa parole, il va retourner en maison d'arrêt pour 2 ans. Merci. Je suis si contente que je ne sais pas quoi dire de plus. C'est tout naturel. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous serons toujours là. C'est dingue, ce truc. C'est plutôt pour les dames. Ça fait rien, je trouve la coupe géniale. Et qu'est-ce que vous en dites? La taille au-dessus, peut-être. Maman, elle a eu une grosse réaction. Tu Qu'est-ce que tu veux dire par là, chérie? Je l'ai jamais vu avoir si peur. Ça ne serait pas arrivé si t'avais été là. Hein? Aucune chance. Ne t'inquiète pas, je vais revenir. Ah oui. Ah oui, ça serait chouette. Je vous aime tous les deux. Plus que tout au monde. Moi, je savais que c'était un sale type. Il fait même pas la différence entre Batman et Spider-Man. Alors? De dire comment il était avant. J'avais 18 ans. Il en avait 40. Il était irrésistible. Il avait toujours des rêves d'adolescent. Il était prêt à construire le paradis sur Terre. Une semaine, il a vendu 14 villas. 14. C'est là qu'il a décidé de monter sa propre agence. À partir de là, tout s'est dégradé. Il se mettait en colère. Tout le temps. Mon âge est devenu mon ennemi. Je ne l'avais jamais trompé, mais il était toujours en train de croire que ça allait arriver. C'est pas facile, Karine. Mais ça va aller mieux. Tout finit toujours par s'arranger. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Tiens, va t'acheter des pop-corn avec ton frère. Oh, merci. Tu sais, on a fait des tas de choses avec papa. Bonjour, maman. Bonjour, Karen. Allez, les enfants. Allez, hop. J'ai une idée. Si on dînait ensemble ce soir. J'en sais rien, Harry. Et il n'y a aucun mal à ça. Faisons-le pour les enfants. Imagine un peu leur plaisir quand ils verront qu'on arrive à s'entendre tous les deux. Peut-être que t'as raison. Bon, allez. Moi, j'ai passé une très bonne journée. Ah oui, et nous aussi. Prenez soin de votre mère. Oui, papa. À ce soir. Au revoir. Au revoir. Bien. Alors, vous vous êtes bien amusés? Ah, Linda, j'ai laissé à côté du téléphone le numéro du restaurant. Je rentrerai vers 10h. D'accord, bonne soirée. Merci.
des punks. J'aimerais pouvoir les coincer. Ça fait deux fois. C'est angoissant. Ce n'est même pas la même personne. Jason, le copain de Nancy, est en prison. Oui, mais tu sais, j'ai lu quelque part que quand une maison est dévalisée, les punks considèrent que l'affaire est intéressante. Je vais te ramener. Je vais prendre un taxi. Allons, ne dis pas de bêtises. Tu aimes ce restaurant ? Excellent. J'en suis ravi. Alors, ça a été ? Très bien, oui. Les enfants dorment ? Oui, Benji était au lit à 8h et Jenny est restée debout jusqu'à 9h. Ah, elle étudiait, c'est ça. Voilà, Linda. Merci. Vous voulez que je vous reconduise ? Non, ça va aller. Ah, oh, je vais quand même surveiller, on ne sait jamais. D'accord, bonne nuit. Dis, tu nous prépares un verre. Bonne nuit, Linda. À notre nouveau départ. Harry. Harry, cette soirée a été très réussie, restons-en là, d'accord? Mes journées sont longues. Elles commencent avec les enfants au petit déjeuner. Moi, je serais disposé à t'épauler si tu le voulais. Seulement pour ça, faudrait que je dorme dans mon lit. C'est trop tôt. Je n'ai encore rien. Je n'ai même pas encore réussi à analyser la situation dans ma tête. Qu'est-ce qu'il y a à analyser? Puis de toute façon, si tu as encore mal à partir avec ces jeunes terroristes, je serai inquiet pour les enfants. Je t'en prie, Karen. Je t'en prie, ma chérie. Arrête. Non, Harry. C'est vraiment injuste. Je sais plus quoi faire. Je comprends pas ce qui m'arrive. Tout ce que j'entreprends se casse la gueule. Non, Harry. Tu traverses un passage difficile, c'est tout. Ça va aller mieux, tu verras. T'as raison, ma chérie. Tu as toujours raison. Harry. Harry. Écoute, on ne peut pas résoudre tous nos problèmes par le sexe. Pourquoi pas? On l'a toujours fait. Eh bien, c'est fini maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que je suis incompétent? Je peux encore rivaliser avec les jeunes étalons comme Martin. Ça suffit, Harry, je veux que tu t'en ailles. Non, arrête. Mais non, tu ne veux pas que je m'en aille, tu ne veux pas. Ah. Non. Tu ne vas pas me faire ça. Tu restes ici. C'est encore ma maison. Tu es encore ma femme. Réveillez les enfants! Je t'aime. Non! Je t'aime. Non! Pourquoi c'est pas maman qui nous emmène à l'école? Parce qu'elle est un peu fatiguée. Donna, qu'est-ce qui a abîmé notre voiture? C'est justement ce qu'on est en train de chercher. C'est méchant. Je connais cette voiture, c'est la police. Je
a été horrible. Les enfants étaient à côté. Je voulais pas les réveiller. Ça aurait été trop dur pour eux. Faut que je dépose une plainte, c'est ça? Ah, ça ne servira à rien. Ce gars, c'est votre mari et vous, vous êtes allé dîner avec lui. Vous l'avez même invité chez vous. Et alors, vous croyez que je l'ai invité à me... à abuser de moi? Je vous ai dit de venir car je veux trouver un moyen pour qu'il ne me tourmente plus. Il vous faut un avocat, Madame Kindel. Ça oui, j'ai l'intention d'en prendre un. En attendant, comment faire pour l'éloigner? Déménager. Aujourd'hui. C'est pas la première fois qu'on affronte une situation pareille. On a intérêt à être prudent, faut jouer serré. Et pour commencer, on va aller lui parler. Autrement dit, on va lui foutre une sacrée trouille. Non, Harry n'a peur de rien. En fait, il est toujours persuadé qu'on va pouvoir se réconcilier. Ça n'est plus le même homme maintenant. Vous comprenez ça? Mais oui. Tu sais, Donna, je crois que je vais le prendre. T'avais raison. Il y a tout le confort. Alors allons voir l'administrateur. Bonjour, Madame Appleby. Oh, bonjour, Albert. Oh, Albert, tenez, justement, voici Madame Kindel. Elle va emménager dans le 311 avec ses enfants cet après-midi. Oh, vous êtes la bienvenue parmi nous, madame. Heureux d'accueillir de nouveaux locataires avec des enfants. Et vous n'avez aucun souci à vous faire pour la rue, ils n'iront pas jouer dehors. Pas si le bon vieil Albert s'en occupe. Merci. Ravi de vous connaître, Albert. À votre service, madame. Je vous ai déjà vu quelque part. Je croyais qu'on avait fait une plus forte impression, pas toi? Et ça, ça vous rafraîchit la mémoire? Ah, d'accord. Je me souviens. Il y a 6 mois. Et quel bon vent vous amène? Vous le savez parfaitement. Je vous assure que non. Votre femme veut que vous lui fichiez la paix, Harry. Arrêtez de vous obstiner. Vous êtes allé un peu trop loin la nuit dernière. On n'aime pas ça du tout et vous non plus, on vous aime pas du tout. Vous avez un ordre de mission, je pense, ou un mandat sur vous? Oh, on peut arranger ça, hein, Mac? Ah, ça oui, rien ne me ferait plus plaisir. C'est ma femme, je l'aime et je la verrai quand je voudrai. Maintenant, écoute-moi, rigolo. Si tu l'approches encore une fois, on te tombe dessus à bras raccourcis. Oh, t'es pas Tarzan, va jouer ailleurs. Vous devriez songer à vous reconvertir. Conseiller matrimonial serait idéal, car en tant que flic, vous êtes lamentable. T'as envie de te reconvertir, toi? D'accord, mais dans autre chose. En ce qui me concerne, moi, je préférerais donneur de baffe. Qu'est-ce que t'en penses, hein? Donneur de baffe. Écoute. Tu dois te faire coincer pour agressivité, si tu veux ça. Combien de fois on est tombé sur des rigolos de ce genre? Et il faut toujours la fermer. Ensuite, on apprend que le mec a fait un cri. Ça, ça me rend dingue. Allons. Oh, vous trouverez personne, Monsieur Kindel. Je crois qu'ils sont partis en vacances. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ils avaient tous des valises. Vous venez? Oui. Non, non, j'attends mon petit frère parce qu'il n'est pas encore sorti. Oh, ben justement, le voilà. Bon, on se verra demain. Au revoir. Au revoir. Salut. Bien. Bah, t'en as mis du temps. Bah, c'est parce que j'ai cassé un carreau. Tu parles que t'as cassé un carreau, je te crois, tiens. C'est quoi cette histoire de carreau? Il dit qu'il en a cassé. C'est vrai? Si, c'est vrai. Je peux vous renseigner? Bonjour, je suis Harry Kindel. J'accompagne ma femme et mes enfants qui viennent d'entrer. Attendez, je vais les prévenir. Mais pourquoi les prévenir? Je viens juste voir mes enfants. Je comprends, monsieur, mais il faut que j'obtienne la permission, c'est la consigne. Ça va, je m'en vais. Mais je veux que vous lui disiez qu'elle n'arrivera jamais à éloigner les enfants de moi. Entendu, je lui dirai.
Comme d'habitude, Albert. Ouais, pourquoi changer à mon âge? Mettez-en deux, alors. Monsieur Cardel. Quelle bonne mémoire. Merci. Et c'est drôle de vous rencontrer ici. Oh, je suis désolé pour cet après-midi. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. Vous avez fait votre travail. J'étais très en colère. Merci. On ne s'est pas encore présenté tous les deux. Je suis Harry Cardell. Albert Ruskin. Bien. Je souhaite qu'avec votre dame, vous soyez à nouveau réunis. Ça n'arrivera jamais. Un con à mes enfants. Ils sont tout ce qui me reste. Je crois que ça doit être dur quand on a des enfants. Je suis resté un vieux célibataire. Quelle chance. Oh, j'en suis pas certain. Vous avez de sacrés beaux enfants, monsieur Cardell. Vous devez en être rudement fier. Mais oui. Je le suis. Appelez-moi Harry, d'accord? Oh, d'accord, Harry. Oh, dites-moi, Albert. Comment est-ce que vous êtes devenu garde de sécurité? C'est une longue histoire, pleine de malheurs. J'ai la nuit devant moi, mon vieux. Harry, je veux vous payer un verre. Ah non, ne dépensez pas votre argent, c'est ma tournée. Remettez-nous ça. Tu as l'air d'être quelqu'un sur qui on peut compter, Albert. Oh, ça, c'est vrai qu'on peut compter sur moi. Mais quel que soit le boulot, quelle que soit l'époque, c'est sur moi, toujours sur moi que les ennuis arrivent. Peut-être qu'il faudrait que tu arrives à être plus positif dans la vie. Oh, j'essaie. Tu peux me croire, Harry, j'essaie. Mais c'est comme si j'étais un bon Harry dans tout ce que je fais. Je veux dire, j'ai jamais désobéi à la loi. Et toute ma jeunesse s'est passée avec des types qui sont en prison. Et ils ont l'air d'avoir une meilleure vie que celle que j'ai. Ils ont une famille. Ils ont des amis fidèles. Tu n'as jamais appris à affronter la solitude, hein, Albert? C'est vrai, Harry. Tout à fait vrai. Oui, je sais. Parfois, c'est insupportable. Pour chacun d'entre nous. J'ai l'impression d'être moins seul, Harry. Je crois que je me suis fait un copain. Tu t'en es fait un, Albert. Je te l'assure. À l'amitié, Harry. Alors tu prends juste tes affaires et tu t'en vas après. Ne t'inquiète pas, Albert, 5 minutes. Juste 5 minutes. D'accord. Cinglé! Les flics vont débouler chez toi et te coffrer! Arrête de t'agiter comme ça! Faut que tu te calmes! J'ai pas envie que les gens sachent que tu m'as aidé! Qu'est-ce que t'es en train de raconter? Je t'ai pas aidé à lacérer ses vêtements! Je t'ai rendu un service à Harry et tu m'as menti! Je ne t'ai pas menti! Je voulais récupérer mes affaires. Et puis j'ai vu la chambre des enfants.
tous leurs jouets, leurs bouquins. J'ai pensé qu'elle allait les éloigner de moi et me laisser seul, sans rien. Alors j'ai eu envie de tout démolir. Tu ferais bien te ressaisir, Harry. Ou alors tu vas finir en prison avec les loubards de ma banlieue et tu risques de détester. Je t'assure que tu risques de ne pas aimer. Peut-être que j'arriverai à me contrôler quand elle sera étendue raide morte et qu'elle ne pourra plus m'embêter. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Je sais très bien ce que j'ai dit. Et je sais aussi très bien ce que je vais faire. Ça te servira de la tuer. Tu te feras arrêter. C'est sûr qu'on t'arrêtera. Peut-être. Peut-être pas. C'est un risque à courir. Tu es sérieux, Harry? J'ai pas le cœur à rire. Tu veux un hot dog? Non. Un avec beaucoup de moutarde. Mais je vais me débrouiller pour ça. Je vais trouver quelqu'un qui le fera pour moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as l'intention de passer une annonce? Non, c'est toi qui vas t'en occuper. Moi? Oui. T'as qu'à demander une de tes vieilles connaissances, un de ces gars qui finissent tous en prison. Et en leur donnant de l'argent, ils feront bien ça, non? Non, c'est de la folie. C'est pas de la folie pour moi. Ouvre-moi ce gars. Entendu, Albert? Organise-moi ça. Parce que... je veux en finir avec ça, même si je dois le faire moi-même. Je vais essayer de voir ça. Mais jure-moi qu'en attendant, tu me laisses faire et tu restes tranquille. Ne me laisse pas tomber, surtout. C'est le même que celui qui a abîmé votre voiture, on dirait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Même forme de sauvagerie, même violence. Et c'est pas votre copain aux cheveux orange. On a contrôlé, il est bel et bien bouclé dans le New Jersey. Mais pourquoi m'a-t-on fait ça? C'est pour vous effrayer. Ça, c'est totalement réussi. Oui, en tout cas, c'est pour vous faire prendre le téléphone et vous faire dire « Écoute, Harry, je craque toute seule si on recommençait tous les deux. » Non, ne vous faites pas d'illusions, c'est votre mari qui a fait ça. Je croyais que vous étiez allé le voir. On l'a fait, vous aviez raison. Harry n'a peur de rien. Qu'est-ce que je fais? Dites à votre avocat d'obtenir une ordonnance du juge. Et si on te surprend à traîner près de vous, on le bouclera. Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je dirai aux enfants? Sur ce point, on ne peut rien faire pour vous aider. Tu viens, Mac? On se tient au courant. J'ai chatouillé la serrure. Pas sorcier. Harry. C'est Eddie, le garçon dont je t'ai parlé. Eddie Kyle. Salut, ça va? Enchanté. Vous en voulez une? Non, non. C'est ton jour de congé, hein, Albert? Oui, je sais. Alors, profite-en. Attends une minute, Albert. Non, je préfère rester en dehors de tout ça. Alors? Il paraît que vous avez un travail à faire. Un travail? C'est comme ça qu'on dit. Et comment... comment je saurais si ça a été bien fait? Confiance. J'ai aucun certificat d'employeur. Je m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt. Et qui prouve que vous n'êtes pas un flic? Bien, oui, d'accord. Vous avez droit à une fouille. Ensuite, on discute ou je me tire. J'ai d'autres chats à fouetter. Fais donc, Harry. Pas de manière.
N'oubliez pas ça. Tenez. Alors, comment on fait? Et quoi? Vous m'avez pas dit ce que vous vouliez. Je veux qu'elle meure. Qui doit mourir? Ma femme. Elle essaie de détruire ma vie. Elle essaie de me détruire par les enfants. Elle essaie de détruire tout ce qui a rapport à moi. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Elle va payer pour ça. Et qui sera suspecté en premier, à votre avis? Moi, je sais. Ils vont m'interroger pendant des heures et après, je serai libre. Mais vous allez pouvoir affronter ça. Oui, j'affronterai. Ça vaut combien, à votre avis? Disons, comme je suis un peu coincé, $2000. C'est léger. 5000 tout de suite, 5000 quand c'est fini. Oui, je crois que j'arriverai à rassembler ça. Mais vaut mieux en être sûr, Harry. Vaut mieux en être archi sûr. Bon, je vais le premier versement, disons, demain. Et pendant ce temps-là, je m'occupe des détails matériels. Adresse de travail, adresse personnelle et tout le bazar. Où se verra-t-on? Vous n'avez qu'à avoir l'argent sur vous. Je vous trouverai. Mais ne faites aucun mal aux enfants, je veux être sûr de ça. Harry, ça coûterait bien plus cher. T'es sûr que c'est une bonne idée? Si t'as un autre moyen, dis-le. Je pensais qu'on pourrait peut-être songer à l'éloigner d'ici. Ah oui, j'ai aucune envie de faire des choses qui nous mèneront nulle part. Mais je vais la chercher. Je veux coffrer ce malade. Je vais chercher des cafés. Duc. Tiens, vous cherchez un manteau? Un autre jour. Oh, inspecteur Jackson, je vous présente Martin Cole. Je désire vous parler. Enchanté. Enchanté. Vous pouvez prendre vos affaires. Il y a un problème? Elle pourra pas être là aujourd'hui. Oh, c'est joli. Un café? Je bois pas de café. Je pense que vous devriez boire celui-là. Non. Vous êtes bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que c'est particulièrement difficile. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dites, il ne doit rien arriver à Benjamin ou Jennifer, non, non, hein? Non, rassurez-vous. Henri ne va pas essayer de kidnapper les enfants? Mais il ne s'agit pas de ça. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe? Nous venons vous parler de meurtre. Quel meurtre? On ne serait pas ici si on n'était pas sûr à 100% de notre information. Quelle information? Harry a payé quelqu'un pour vous tuer. Oh non. Non, j'arrive pas à croire ça. Oh mais non! C'est un malentendu. Oh, dites-moi que c'est un malentendu. Venez. Je vais vous ramener. C'est quoi votre prénom? C'est Duc, mais ma mère a toujours dit Jack. Vous voulez que j'aille vous chercher des cigarettes ou autre chose? Une nouvelle vie plutôt. Ah, ça va venir.
Vous êtes vraiment sûr, Jack? Notre informateur est une personne infaillible, croyez-moi. Pourquoi vous arrêtez pas Harry et l'homme qu'il a engagé? Ils vont continuer à se balader librement alors qu'ils veulent me tuer? On n'a rien contre lui, Karen. Aucune preuve. C'est insensé. Qu'est-ce qu'il vous faut, mon cadavre? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? On cherche à obtenir des charges contre lui qui le mettront hors d'état de nuire. Sauf si vous voulez vivre de cette façon jusqu'à la fin des temps. Combien a-t-il payé? $5,000, ça représente la moitié du contrat. Vous aimez quelqu'un durant des années? En élevant deux merveilleux enfants? C'est dur à comprendre ça, Jacques, je suis atterrée. J'arrive vraiment pas à réaliser qu'on parle d'Harry. C'est comme si le diable, tout d'un coup, le possédait et s'était emparé de son cœur et de son âme. C'est pratiquement ce qui s'est passé. Que pensez-vous faire? On a l'intention de procéder sur plusieurs plans. On ne sait jamais. Il y a peut-être une chance qu'il arrive à changer d'état d'esprit et que tout finisse par s'arranger. Et il se contentera de piquer une de ces fameuses crises. Et dans le cas contraire? On voudrait que vous vous dissimuliez dans un endroit inconnu de votre mari. Ça lui donnerait le temps de reprendre ses esprits et de réfléchir. On a déménagé il y a un mois déjà pour lui échapper. Et mes enfants sont encore... Oui, je comprends. Écoutez, je sais ce que vous éprouvez. Mais quand un type paye pour ce genre de choses... Il risque de s'énerver en attendant que le travail soit exécuté. Il serait capable de le faire? C'est ça que vous voulez dire? Vous savez bien que c'est un individu colérique, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir. Qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Votre père a l'intention de me tuer, alors il faut partir? Il faudrait que vous puissiez les mettre à l'abri loin d'ici. Je n'ai aucune relation ailleurs. Et jamais je les mettrai chez des étrangers, je tiens pas à leur faire du mal. D'accord. D'accord, mais en tout cas, il faut pas rester dans cet endroit une minute de plus. Je dois régler quelques détails dans mon travail. Vous êtes une femme courageuse. Ça nous aidera beaucoup. Tombe dans le puits. Allez, on recommence. Un, deux, trois. Ah, j'ai pas de chance avec les ciseaux. Vous êtes plus fort que moi. Tu viens? Allez, salut les gars. T'as rien à me raconter, Jack? Tu te fais trop de billes. Ah ouais, bah c'est mon côté mère Paul. Inspecteur Jackson et McKenzie sont attendus au QG par le commissaire. Jackson, message reçu, on arrive. En urgence, monsieur. Rien à foutre de l'urgence. J'ai l'impression qu'on a fait une connerie. T'es décidément un exemple parfait du type qui se fait trop de billes. Ben voyons, le commissaire nous invite juste à prendre un petit café, car il veut faire le poids sur notre vie sexuelle. T'auras pas grand-chose à dire? En fait, t'as jamais grand-chose à dire.
c'est un modèle qu'on vient de recevoir. Il est très très beau. Karen, je viens faire la paix. Tu vas te faire arrêter en venant encore ici. Arrêter un mari confus avec un bouquet de fleurs, tes préférés. Karen, attends, laisse-moi une chance. Il faut que je te parle, alors écoute-moi. J'ai besoin de toi. Et mes enfants me manquent de façon cruelle. Non, laisse-moi finir. Je ferai n'importe quoi. Je vais reprendre mon ancienne activité. Je ne piquerai plus jamais de cris, je te le jure. Et jamais, plus jamais, je ne te reprocherai quoi que ce soit. Je veux que ça redevienne comme avant. Je sais que c'est possible. C'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Celle de la gonzesse. Arrêtez, lâchez-moi. Pour une telle somme, j'ai quand même le droit d'être au courant. Vous n'avez aucun droit, Cardel, aucun. Alors, vous allez vous barrer d'ici, à moins que vous préfériez que ça foire. Vous avez compris? Allez. Tirez-vous d'ici. Tout de suite. Quand est-ce que ça va se faire? Vous avez changé d'avis, Harry? Videz votre sac. Il n'est pas trop tard. Non, je voudrais te débarrasser, au contraire. Ça, c'est mon affaire. Mais c'est pour bientôt. Pourquoi elle a redéménagé? Qu'est-ce que vous voulez que j'en sache? C'est peut-être parce que vous avez abîmé toutes ses affaires. Harry, vous voyez cet endroit? Hein? Interdiction de s'en approcher. Ou bien j'annule le contrat. Vous saisissez? D'accord? D'accord. Ça va aller. T'as rien laissé, Benji? Bien sûr que si. La moitié de mes affaires est dans l'appartement, l'autre moitié est dans notre vraie maison, c'est génial. Benji, je t'en prie, fais-moi confiance, s'il te plaît. Il avait dit qu'on irait aux zoos ce week-end. C'est injuste, on n'arrête pas de changer de maison et encore une fois, on le verra pas. Je sais, chérie. Ça va s'arranger, tu verras. Maman,
je voudrais te dire un truc. Je vais m'occuper de lui. Au fait, Benji, t'aimes les poissons? Oui, j'aime bien ça. Maman? Oh, je parlais des poissons rouges. Ah bon, il y en a ici? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es triste? C'est rien. C'est fini. Maman, moi je suis grande maintenant. T'as qu'à me dire ce qu'il y a, je comprendrai. Eh, même que je dirai rien à Benji si tu veux pas. Oh, Jenny. Tu sais, c'est si compliqué. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'essaye de faire ce qui est le mieux pour vous, tu comprends? Non! C'est faux! Je sais que tu cherches à me cacher quelque chose. Maman, j'ai le droit de savoir la vérité aussi. Alors pourquoi tu veux jamais rien me dire? Oh, Jenny. Toi et Benji, vous êtes les amours de ma vie. Seulement, il faut accepter que votre père soit encore absent quelque temps. Mais pourquoi, maman? Pourquoi? Parce que, en ce moment, il est malade. Jenny, je t'en prie, arrête de me poser des questions. Quand le moment sera venu, je pourrai tout te raconter. Ça va, la jeune classe? Nourrir les poissons, arroser les plantes et vivre dans cette maison un mois? Le temps que ma tante fasse son stage de voyante. Jenny, ça m'inquiète que ton frère reste tout seul. Tu es. T'inquiète pas. Oh, je ne saurais jamais comment te remercier. Si tu n'étais pas là pour t'occuper du philodendron, c'est moi qui aurais dû le faire. Les policiers vont se charger de tout. Oui. Je reviens ce soir. J'en ai marre, Harry. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Oh,
Tu m'as fait peur, t'es si discret. Mais pourquoi? T'as l'air inquiète. Ce n'est rien, mon chéri. C'est nerveux. Mais tu vois, maintenant, c'est passé. Oh, tu as fini tes devoirs? Je les fais pas aujourd'hui, on est vendredi. Ah, vendredi. Ah, c'est vrai. Où tu vas, maman? Oh, j'ai quelque chose à faire. Ça ne sera pas long. Il faut vraiment que j'aille chercher des affaires. Tu vas aller chez nous? Oui. Tu pourrais me rapporter Félix le chat? Oh, et mon ours blanc? Oui, chérie, bien sûr. Maman, tu vas voir papa? Non, pas là. Maintenant, il faut prendre votre bain avant d'aller au lit. C'est Donna qui va s'occuper de vous. Soyez très obéissants tous les deux. Oui. Oui, maman. Maman, je t'aime. Moi aussi. Dès que je rentre, je viens vous faire un bisou, d'accord? Ah oui, tu mettras l'ours sur mon oreiller. Oui, chérie. Je t'aime. Tu viens, Benji? Et si maman en allant chez nous rencontre papa, on y retournera? Je crois pas, Benji. Je crois pas. Karen, je t'en prie. Il est pas là. Et qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y sera pas quand toi tu y seras? Mais je rappellerai de la cabine qui est en face de chez nous. T'es complètement folle! Non, c'est pas moi qui suis folle, Donna. Justement, oublie tes affaires. C'est pas mes affaires que je veux. C'est le revolver. Quoi? Mais écoute, Karen! Si vraiment t'as besoin d'un revolver, moi je vais t'en procurer un. Je me suis renseignée, il faut attendre 2 semaines pour en avoir un. Et moi je veux pas attendre 2 semaines. Écoute, je t'en prie, tu ne vas pas courir un tel risque, ne fais pas ça! Si! Je veux un revolver pour me protéger. C'est celui d'Harry que je veux. Parce que si c'est lui qui l'a, il l'utilisera. Oui, ici Jackson. Une certaine Donna vous demande, elle dit que c'est urgent. Oui, passez-la moi. D'accord, Donna, merci. Bon, on reste en contact. Allez, viens, on y va. On regarde s'il y a une patrouille dans le coin, il vaut mieux s'en assurer. Appel à toutes les unités. On soupçonne un incident au 2934 rue Lorraine. Que tous ceux qui sont dans le secteur se signalent. Voiture 97, on est au 29 Lorraine. Merci. On ferait mieux d'aller chez elle.
Il y a longtemps? Il y a une heure. Je vais demander à la voiture de patrouille d'y retourner. Elle a une clé? C'était vraiment pas malin de faire ça. Il est venu. Il était là. Il était là, tout près. Je l'ai vu prendre son revolver. Il est parti avec. Encore heureux qu'il ne sache pas où on se trouve. Karen, je dois vous dire quelque chose. C'est personnel. Tout ce que vous avez à dire, vous pouvez le dire devant Donna. Non, je tiens à être seul. Alors, venez à côté. Il va falloir faire quelque chose, Mackenzie, parce qu'elle va avoir une dépression nerveuse. Mademoiselle Appleby, naturellement, vous êtes au courant de toute la situation. Je suppose que oui. Ne craignez pas que quelqu'un trouve cette maison, en tout cas. Parce que j'ai un nom différent de celui de ma tante. Et à la boutique, on ignore son adresse, excepté M. Cole, qui, lui, ne le dira à personne. Et quand je viens ici, je regarde toujours si on ne m'a pas suivi. J'en suis convaincu. Mais vous nous rendriez un énorme service en conduisant les enfants dans votre maison. Pourquoi? Harry connaît mon adresse, et probablement aussi l'homme qui l'a engagé. Vous le ferez? À mon avis, et pendant un moment, on sera dans l'obligation de vous faire... Quand? Tout de suite. Soit ton ami se fiche de moi, soit il veut plus ami, d'argent. Tardation, alors? Ce genre de choses, c'est délicat, et puis j'espérais... T'espérais quoi, Albert? Tu changerais d'avis. Mais on dirait que tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu sais ce que ça signifie, être torturé. Mais lui, il va arrêter de me faire tourner en bourrique. T'as entendu? Et en plus, j'économiserai $5,000. Mais qu'est-ce que tu mijotes, Harry? J'en ai marre d'attendre. Non, mais...
Vous, des 5000 dollars, je les veux demain. Quand ce sera fait. Et pour mes enfants, vous ne faites rien si mes enfants sont là-dedans. Chut, ils ne sont pas là. Ils sont sortis, ils vont passer la nuit chez une amie. Ah oui, pourquoi? Il y a un type avec elle. Il n'y a personne, il n'y a pas de type. Elle est toute seule. Toute seule. Exactement ce que je voulais. Vous voulez renoncer? Sa dernière chance, Harry. C'est à vous d'agir. Oui, qui est là? Harry Cardell? Oui, c'est ici. Une minute. Monsieur Cardell? Oui. Est-ce que vous permettez qu'on entre une minute? Merci. C'est à quel sujet? Je m'appelle Simon, monsieur Cardell. J'appartiens au bureau du coroner. Votre femme, c'est Karen Mallory Cardell. Oui. On l'a trouvée morte, monsieur Cardell. On est désolé. Oh non. Oh non. Il s'agit d'un homicide, monsieur. Probablement dû à un malfaiteur. Oh mon Dieu. Mais mes enfants sont au courant de... Non, ils ne savent rien. Il apparaît qu'une certaine Donna Appleby aurait trouvé le corps ce matin. Donna, à 8 heures. Donna. Sa meilleure amie. Mon Dieu, c'est affreux. Je vais vous demander de bien vouloir venir à la morgue pour reconnaître le corps de votre femme, afin que le coroner puisse donner le permis d'inhumer. D'inhumer? Oui, bien sûr. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, avoir un peu de temps. Bien sûr, nous comprenons. On vous attend dehors. Merci.
va, monsieur Cardel? Il fait froid ici. Oh, pas tant que ça. Les gens s'imaginent tellement. Est-ce bien votre femme, monsieur? Est-ce bien Karen Mallory Cardel? Oui. Ça va? Voulez-vous prendre l'air? Respirer un petit peu dehors? Ça y est. Bon, allez, l'argent, Harry. L'argent. C'est tout ce qui me reste et je vous le donne. Mais ça valait le coup, hein, Harry? Oui. Oh, Harry. Vous avez le droit de garder le silence et vous avez le droit de ne parler qu'en présence de votre avocat. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous en payer un... Hein? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Nous serions ravis de vous en procurer un. Qu'est-ce que c'est? Lâchez-moi! Est-ce que vous analysez la situation, monsieur Cardel? Vous êtes foutu de moi. Vous vous êtes foutu de moi! Vous vous êtes foutu de moi! Mais je l'ai vue! Elle était morte! Elle était morte! Vous entendez? Morte! Elle a été tuée! C'est pas moi qui l'ai tuée! C'est pas moi! Thank you.
vous avez, jamais j'aurais cru qu'il l'aurait fait. Pauvre Albert, il va en mettre un temps à réaliser ce qui lui est arrivé. Oh, l'enfonce pas. S'il n'était pas venu nous trouver, on serait à un enterrement aujourd'hui. Harry Cardell a été reconnu coupable de conspiration pour meurtre et condamné à 6 ans de réclusion à la prison d'État. Il est actuellement en liberté surveillée. Salut. Je m'appelle